tous, aujourd'hui je suis en région namuroise pour rencontrer Anne et Pierre Résimon qui sont de véritables entrepreneurs gastronomiques et qui sont à la tête du restaurant étoilé L'Eau Vive. Ils ont aussi plein d'autres activités. On se régale déjà et on découvre tout ça. Bonjour Amélie, ça va? Ça va bien. Fais bonne et route. Vous? Oui, 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 super. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Mais je pensais qu'on allait se retrouver dans le restaurant, mais pas du tout. On est où ici? Pas du tout. Jardin d'Annevois, le domaine des Jardins d'Annevois. François a une pisciculture ici depuis des années, et puis ça fait 25 ans que je travaille avec lui. Mm-hmm. Il y a un super produit qu'on a mis à la carte parce que, bon, en l'occurrence, on a une rivière, donc on a toujours eu une nasse dans l'eau avec des truites vivantes. On a démarré avec la truite au bleu, maintenant on l'a un petit peu arrêtée, et je pense même la remettre à la carte bientôt. Ah, cool. Ouais. Bon, on va aller rencontrer François. Avec plaisir. Chéri, ça va? Tu vas bien? Forme. On s'embrasse à nous deux. Bonjour. Bonjour, madame. Émilie, enchantée. François. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, François? Là, je vais trier. C'est un lot de poissons avec différentes tailles. Mm-hmm. J'ai besoin d'avoir deux tailles, des 400-420 grammes, des 450-500. D'accord. Et ça, pour Pierre? Et pour Pierre, je vais lui mettre du vrac. Ouais, du vrac, ouais. On va le mettre dans le vivier et puis on va faire des petits essais pour la truite au bleu et puis truite fumée. Ah, on va oui. faire avec. Dans l'occasion de goûter tout à l'heure, ouais. Ça, c'est une truite qui fait plutôt 420 grammes. 420. Okay. Elle va aller de ce côté-là. OK. Ça, c'est une truite qui fait 1,1 kg. Ah, wow. Ça, c'est pour moi. OK. Donc, ça, c'est généralement ça, c'est ce que Pierre, Pierre ouais. prend. Hop là. Ça, c'est 420 grammes. Ça va aller là. Tu devrais essayer d'en prendre Vous une, Émilie. Vous savez faire la différence. Ah oui, oui, oui. Tu devrais essayer d'en prendre une, regarde. Je vais jamais y arriver. C'est tout simple à prendre. Hein. Allez, regarde, vous avez facile de prendre. Moi, regarde, moi. Regarde, vous avez facile pour les prendre. Il ne faut jamais courir après la truite. Okay. La truite vient dans la main. Okay. Il ne faut jamais serrer une truite. Okay. D'accord? Donc, la truite vient dans la main. Qu'est-ce que tu me fais faire? Et on la tient. D'où j'ai dit? Allez, tu laisses ta main dedans. Je suis vraiment pas à l'aise. Ça ne mord pas, hein? Ça, ça ne mord pas. Ah, si, ça peut. Ah non, allez! tu l'avais presque. Il n'y a pas une qui est un peu fatiguée? Regardez! Là, elle est bien? Là. Ouh, je l'ai perdu. On a un peu la main gluante après. Hein. Ouais, c'est ça que je disais, avec la truite au bleu, tu vois. La truite au bleu, c'est la réaction qu'il va y avoir entre le mucus, qui est une base, et l'acide du vinaigre, qui fait que la truite devient bleue. C'est ça. C'est une réaction. Bon, et on va aller goûter tout ça. Mais avant toute chose, si vous voulez bien, on va partir du côté de la région liégeoise, d'accord? Est-ce que vous connaissez la start-up Toll? Non, pas du tout. Eh bien, c'est une entreprise qui transforme des jardins en cuisine. À mon avis, ça va vous intéresser. Oui. Regardez. Pour découvrir L'Eau Vive, un des quatre restaurants wallons à avoir deux étoiles, je commence par le cœur de la maison, la cuisine. Ça sent terriblement bon. Normal, nous sommes chez Pierre Résimon. Pierre, vous avez reçu votre première étoile il y a combien de temps? Ah, il y a très très longtemps. Il y a puisque... très longtemps. Oui, on a ouvert en 90 et on a eu notre première étoile en 94. À l'époque, on était le plus jeune, j'étais le plus jeune étoilé de Belgique. Uh-huh. Quel est le sentiment qui vous envahit à ce moment-là? C'est la plus belle chose qui peut arriver à un cuisinier, parce que bon, c'est une récompense d'un travail, c'est une récompense d'une passion. Et donc, après, évidemment, les clients suivent, les nouveaux clients, les gens viennent voir, il y a la curiosité. Ouais, bah oui. Donc il y a une augmentation de fréquentation, donc il faut être bien prêt, il faut sortir la même qualité de travail. Ouais. Et la deuxième, elle est arrivée quand? La deuxième est arrivée il y a 10 ans. Donc on a fait notre travail sans vraiment avoir un objectif, effectivement. Ben... Et vous réalisez le soir en vous couchant, parfois vous vous dites « Oh là, j'ai deux étoiles ». Rarement, rarement. Mais c'est vrai que des fois, quand je vais dans des restaurants ou que je suis avec des amis qui disent « Voilà, notre copain, il a deux étoiles », ben, je vois dans les yeux des personnes ou des cuisiniers qu'il y a un émerveillement. Quoi. Uh-huh. Il y a un certain respect aussi pour les gens qui ont deux ou trois étoiles. Parce que même une, hein, je veux dire, bien sûr. Et même celui qui n'en a pas, je veux dire, c'est un métier difficile, etc. Maintenant, c'est vrai que quand on a deux étoiles… Et là, vous me parlez justement d'une troisième étoile. Comment on l'obtient? Tiens, cette troisième étoile, est-ce que vous avez envie d'aller la chercher? Je pense qu'il ne faut pas se mettre des objectifs. Il faut travailler, comme je vous dis, en s'améliorant, en s'entourant de bonnes personnes. Ça, c'est super important parce que ce n'est pas uniquement un chef qui fait trois étoiles, évidemment, mais il y a les idées qui sont là. J'aurais deux étoiles toute ma vie, je serais le plus heureux des hommes. J'en aurais une troisième, mais là, je serais au firmament. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais. Merci. Okay.
Émilie. Vous allez bien? Oui, ça va bien, et vous? Je vais vous faire découvrir notre maison. Oui, avec grand plaisir. Les étoiles de l'eau vive ne sont pas arrivées uniquement par la cuisine. Si Pierre est le maître des fourneaux, c'est Anne, son épouse, qui accueille personnellement les clients et qui gère toute l'organisation de la salle. Avec leur second restaurant et les hébergements, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qu'il faut coordonner. Oh, on a commencé tout petit, petit. On avait juste un apprenti qui travaillait avec nous. Et de fil en aiguille, on a grandi, on a évolué. Voilà. Mais on ne pensait jamais avoir une étoile, puis deux étoiles. C'était inattendu. Pas du tout, c'était inattendu, vraiment. Wow, félicitations. On a travaillé toujours de la même façon et puis voilà, on a été récompensés. Fidèle à vous-même. Voilà. Anne, je pense que vous avez des enfants. Est-ce que ça ne demande pas une organisation particulière, le fait que vous travaillez les week-ends, le soir? C'est quand même particulier. Oui, tout à fait, mais ils se sont mis un peu à notre rythme. Ouais. On s'est organisé au fil des années. Ils ont grandi aussi, donc finalement, on est fermé le mardi, mercredi. Le mercredi, l'après-midi, ils sont là, donc on peut s'occuper d'eux. Mm-hmm. Et on ferme maintenant le samedi midi aussi. Comme ça, on a toute la journée pour s'occuper d'eux et aller au comptoir manger avec eux, discuter ensemble, passer un bon moment. Quel est le regard de vos enfants sur ce que vous avez construit? Je pense qu'ils sont admiratifs, fiers de nous, mais je ne pense pas qu'ils feraient ce métier-là. Non, c'est vrai, il n'y en a pas un qui... Il n'y en a aucun des deux qui se destine à ça. D'accord. Hein. Et je veux vraiment qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, c'est, c'est le but. On a mis un peu d'oseille, un peu de thym, de l'ail, du romarin. Qu'est-ce qu'on a mis d'eau dedans? La ciboulette un petit peu aussi. Ouais. Et alors on l'a cuit juste au barbecue, à la plancha. Et puis on a fait une petite béa. Ouais, délicieuse. Et voilà. C'est bon. Hein. Une tuerie, vraiment. Tout simple. Ouais. Et tu vois, quand tu fais une belle cuisson, une belle sauce, la cuisine c'est ça, hein, c'est pas plein beaucoup saveur. De... Voilà. Être juste. Je vous retrouve maintenant au comptoir de l'Eau Vive, une brasserie située à Herpan, basée sur la convivialité. Au comptoir, Damien, le chef de cuisine, décline les recettes de Pierre Résimon, version bistronomie. On est très complices, on discute beaucoup, on se voit beaucoup. Il vient manger deux fois semaine, c'est son bistrot, c'est le côté très convivial. C'est vraiment ce qu'il vient chercher, c'est manger chez lui tout en voyant ses amis. C'est manger un petit tartare comme ça entre potes, entre deux, et puis repartir après. D'accord. Et il a cru en vous dès le départ. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes tout jeune, vous avez 27 ans. Oui, tout à fait. En fait, on a démarré le projet ensemble avec Simon, qui est l'ancien chef. Et on a démarré vraiment ce projet tous les trois. Enfin, ils ont démarré le projet tous les deux. Et puis, je suis venu me greffer au dernier moment parce qu'on s'est simplement rencontré vacances. Et voilà, c'est comme ça que ça a pris feu. Ça a bien fonctionné. Ouais, tout à fait. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes qui ont envie de se lancer dans ce milieu? Tout d'abord, c'est d'être passionné. Je pense que c'est la première des motivations. Et ensuite... c'est vraiment de rester sur, axé sur le travail, le côté rigoureux, observer, apprendre de tout ce qu'on peut voir, interpréter chacune des choses, chacun des éléments qu'on voit au quotidien et bosser, quoi, simplement. Et bosser. Encore et encore. Bon, ben justement, je vais vous laisser bosser. Moi, je vais aller retrouver Pierre de l'autre côté de la Meuse pour découvrir une de ses activités. Pierre m'accompagne maintenant dans un de ses deux gîtes, l'espace Médicé, situé à deux pas de l'Eau Vive. Il y donne chaque lundi des cours de cuisine et surtout, il propose un hébergement à ses hôtes du restaurant. Évidemment, avec les deux étoiles, les gens viennent de plus en plus loin et demandent justement pour rester sur place, la boisson aidant, etc. C'est quand même plus facile de dormir sur place. Ouais. Alors, on reconnaît vraiment votre touche et votre patte. La cuisine est dingue. On sent que c'est du pro de chez pro, là. Oui, effectivement. Donc là, on a un fourneau vraiment professionnel parce qu'en fait, les lundis, on donne des cours de cuisine à ceux qui veulent. Vous n'arrêtez jamais. Donc, ben non, c'est le but. Hein. Et puis voilà. Puis bon, maintenant, on vient de refaire un nouveau-né qui s'appelle le Cube, qui est juste à côté de l'Eau Vive. Donc là, on est vraiment à 40 mètres du restaurant. Et là, on propose aussi également donc, deux chambres. Avec petit déjeuner, c'est une autre façon de voir les choses aussi. Le design, c'est quelque chose, enfin, quand je vois ici la décoration, je me dis que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Oui, parce que pour la petite histoire, en fait, quand j'ai fait mes humanités classiques, après, quand je suis sorti, je voulais faire l'architecture.
Et puis c'est mon père qui me dit, mais t'arrêtes pas de cuisiner avec ta grand-mère quand on reçoit. Ah, c'est votre grand-mère qui vous a donné le goût de la cuisine. Et donc je me suis dit, je vais faire une année sabbatique, je vais faire les côtelières à Namur, ouais. Chose que j'ai faite. Et puis bon, ben, après 2 ans, ben, je me dis, voilà, c'est ma voie, il faut que je reste dedans. Mm-hmm. Mais ça reste quand même ça reste dans en les vous. Racines. Ouais. Ça reste en vous. Fait, peut-être encore d'autres projets alors. Sûrement. Ah oui, d'accord. Pour avoir été en immersion dans votre cuisine, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration et aussi pas mal de pression. Oui, la concentration, certainement, ça ouais. C'est sûr. La pression, ben, on se la met ou pas. C'est vrai qu'un coup de feu en cuisine, ça peut toujours arriver. Si les gens arrivent en même temps, qu'ils ouais. mangent à la carte, qu'ils sont pressés. Et quelle est, vous, votre recette pour justement être cool, relax? Parce que je vous sens très détendu. Ben, en fait, je pense que d'abord, il y a les années qui sont derrière. J'ai une structure de personnel qui est avec moi, qui me suit, qui m'écoute. Quand je parle, ils annoncent les bons. On donne des priorités à certaines choses et on reste calme. Et donc, si on est calme, on communique ce calme à tout le reste de l'équipe. Et donc, le service se passe... voilà, on accélère, mais on n'est pas nerveux. On sait tous bien ce qu'on doit faire. Donc, on ne perd pas de temps et on ne s'énerve pas, ouais, c'est vrai. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer? Tout d'abord, je pense que pour faire ce métier, il faut avoir de la passion. Mmh. Et puis après, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut avoir beaucoup de rigueur avec soi-même. Au niveau horaire, au niveau travail, au niveau propreté, au niveau efficacité dans le travail. Et je pense que c'est un métier de partage. Autant qu'il y a 40 ans, les chefs ne partageaient pas leurs recettes, maintenant on les partage. Oui. Et je pense que si on est jeune, il faut écouter ce qu'on vous dit, les remarques qui sont des fois dites de façon peut-être très sévère lors d'un service, mais après, avec du recul, se dire, tiens, ben oui, finalement, il a raison. Et puis travailler, retravailler, refaire et refaire, parce que c'est un métier fort technique. Et donc, je pense qu'un jeune, il doit être tout le temps avec les yeux ouverts, prendre des notes un maximum, ça c'est très important. On a la chance d'avoir des téléphones maintenant, ouais. Prendre des photos des plats, prendre des photos des recettes. Mm-hmm. Faut piquer, en fait. Je crois qu'un jeune cuisinier doit piquer des recettes, piquer des idées, et faire un carnet vraiment avec, qui est rempli de plein d'idées. Et puis après, avec la maturité, il va faire sa cuisine avec ses recettes, avec ses accords. Il doit après se former, se forger lui-même avec ce qu'il a appris dans différentes maisons et avec différents chefs. Dans ce monde de la grande cuisine, j'ai ressenti la passion de la gastronomie et le goût de la convivialité qui anime Pierre, Anne et toute leur équipe. Anne-Pierre, un tout grand merci pour votre accueil et cette belle découverte. Promis, je reviendrai à titre privé parce que c'était exceptionnel. Avec plaisir. Merci, merci. Au revoir. Salut. Bonne continuation bonne à tous les deux. Ciao. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut.